It was at this moment that Nathan knew he fucked up. La la la. Miren, bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y encontré una paella! Bonsoir. Oui, non. Ouais. Hein? Là, je voulais encore accélérer comme un dérapé. Ouais, j'ai mis un tout petit coup. Vous nous voyez quand je roule sur le filet de gaz. Le problème, c'est que... Le truc, c'est que j'ai la chicane, mais en gros, j'avais la chicane et sur les Champs-Elysées, et bah, la chicane, elle est tombée et une voiture l'a écrasée. Du coup, elle est aplatie, elle est là dans le coffre. Ah, oui, mais il faut que j'en commande une, ouais. Ah oui. Parce que là, je vais garder la carte grise. Ouais. Comme ça, vous passerez à changer les pneus arrière. J'ai acheté les pneus, hein, j'ai commandé les pneus, j'ai tout est réglo. J'ai même les disques arrière. Ouais, j'ai les disques, j'ai le disque et j'ai le. Comment ça s'appelle La plaque qui est un peu. Mais les lettres, ils se voient. Ouais, hein. J'ai fait attention à ça, c'est pour ça que j'ai gratté. C'était lors de la manif FFMC. Et du coup, le scotch il est resté, mais j'ai gratté pour que les lettres soient plus. Moi j'ai gardé la carte grise, vous l'avez. Ok. Et je dois faire quoi au juste? Hein? Je dois faire quoi au juste? La chicane. Et le pneu? Ok. Et je récupère ça comment? Le problème c'est souvent à cause de comportements comme ça qu'on perd des avantages. Comment ça? Bah. À force de rouler avec des. Pour les échappements bruyants, bah contrôle technique, tout ça. Pour les échappements, parce qu'on voit que les gens comprennent pas. Ouais, je comprends. Hein.
franchement, avec le coup. Je récupère ma carte de visite, c'est ça? Bah si. Par contre, est-ce que tu auras tout le monde pour bah, justement, là, le pneu il est commandé, il arrive aujourd'hui. Formidable. Par contre, la chicane, je sais pas, ça va. J'ai essayé de m'installer à l'arrière, sinon l'autre allait écraser les quelques secondes encore. Faut pas que ça fasse de bruit. Je vais la montrer là. Non, non, mais c'est... elle est vraiment écrasée. Il faut pas que ça fasse de bruit. Ouais. Une voiture l'a écrasée, elle est tombée du coup. J'ai du mal à serrer, et voilà. Sinon, à la base, moi, je roule avec Chicane. De temps en temps. Ça donne vraiment ? Ouais. Ça va vous servir pour récupérer la... Ok. Bon bah j'ai cherché, j'ai trouvé. Là là là. Bon ça va, ils ont été sympas franchement. Ils auraient pu me mettre tellement de trucs mais ils m'ont laissé quoi. Bon, en même temps t'as vu le bruit que je fais, c'est normal. Non en tout cas franchement ils ont été cool. Et en plus le mec il était sympa quoi, c'est ça que j'aime bien. Faut pas croire qu'ils sont tous relous. Hein. Il y en a qui dialoguent, ils sont sympas, ils cherchent pas à verbaliser. Il m'a dit on n'entend que vous. Tu m'étonnes. Non, en tout cas, ça m'a fait gaulerie, comment j'ai fait un gros coup d'accel derrière et hop. Dès que je les ai vus qui cherchaient d'où venait le bruit, je me suis calmé. Et après, ils ont compris. J'aurais dû tourner, ils m'auraient jamais cramé. Mais bon, en tout cas, ils ont été sympas. Ils m'ont pris la carte grise et voilà. Faut que je commande une autre chicane, hein, c'est tout. Hein. Putain, je vais m'arrêter pour vous montrer la chicane, elle est dans quel état. Donc voilà la chicane. En gros j'étais sur les Champs-Élysées, j'ai du mal à serrer, j'étais chicané bien sûr, et la chicane elle est tombée. Et du coup quand elle est tombée, il y a une voiture qui l'a écrasée. Et moi j'ai direct remarqué la différence de bruit quand même. Du coup hop j'ai fait demi-tour et je l'ai récupérée, elle était comme ça. Et du coup depuis j'ai toujours roulé sans chicane quoi. Attends je la mets dans le pot. RIP.
Et voilà l'histoire. Et du coup, depuis, moi, j'ai toujours eu la flemme de la commander. Bah là, je vais être obligé de la commander. Sinon, je vais remettre le pot d'origine pour récupérer ma carte grise. Ah, c'est casse-couille. Mais après tout, c'est normal. Mais en tout cas, ça va, il était sympa. Il m'a pas verbalisé, il m'a pas immobilisé. Il a été cool. Il a juste pris ma carte grise. Il m'a donné 10 jours. 10 jours pour remettre la moto en règle et hop. Voilà. Et là, comme on est en ville, c'est normal, le bruit résonne encore plus. Et moi, comme un con, je fais un wheeling derrière eux. Putain, je suis vraiment con. Bon, je vais peut-être acheter la chicane, mais ça changera pas le fait que je roule sans chicane. Pour le pneu, dans tous les cas, je l'avais commandé et il est arrivé aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, j'allais le changer, quoi. Et pour le... La plaque, bah c'est rien du tout, c'est juste des restes de bout de scotch. Bon, j'avais caché ma plaque. Bon, en tout cas, il était vraiment cool. Je kiffe trop dialoguer avec les flics. Par exemple, les motards, là, que ce soit la gendarmerie ou la police, mais principalement la gendarmerie, je kiffe. Pour moi, c'est vraiment un métier kiffant de ouf. Voilà, c'était le petit moment, je raconte ma vie. Attends, mais le pire, c'est que j'étais dans un secteur, c'est-à-dire il y a la préfecture, il y a tout. C'est vraiment la rue de la police, quoi. Et moi, je tape un petit wheeling là-bas. Surprise, motherfucker. Votre train de vie, on s'en tape. On est tous passés devant la souricière escortée par des gendarmes. L'oseille n'a pas d'odeur, mais pour des stories d'argent sale, fréquemment ça sent le drame. J'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai la tête dans l'espace, une vie de cheval pur sang. On est deux en équilibre sur une roue motrice, ça tue le temps. J'ai besoin d'un million pour me racheter une conduite. On a de la moula, elles ont la moule qui sent l'huître. Oui, je dégage.